Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Bellward Park pour la première journée d'Halloween. Je suis en compagnie de l'Abricoster. Et aujourd'hui on va faire pas mal de maisons hantées, ça va être fort sympathique. On va faire les premières maisons hantées qu'on n'avait pas fait l'année dernière justement. C'est le Camping Wars. À chaque fois j'écorche les noms, je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas ça contient le mot camping et Mortal Mine. Voilà, c'est pas les plus extrêmes. On nous a conseillé de faire Funerarium et faire Mexican Massacre, qui sont pour Bellward les maisons hantées les plus corsées on va dire. Et du coup on se les réserve pour la fin de la vidéo. Voilà, et sachez que je vais crier comme une fille, vraiment, je déteste les maisons hantées, mais on est là pour ça. Allez, c'est parti pour Camping Course. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on est nombreux. Bonjour. Ok, j'ai peur pour la cam. Moi, je vais dedans, c'est trop drôle. Avance. Oui, j'avance. Abricot, t'avances pas du tout. Mais si, j'avance. Oh putain, mais j'ai l'impression qu'on me pousse. Attends. Pourquoi faire... Voilà. On aurait pu passer par là, c'est vrai. Allez, c'est parti. On rentre dans le camping. Ah, oh, c'est la caravane à mes parents. Ah oui, petite caravane. Tu veux jouer? Oh, pas forcément. J'apprécie. Quoi? Non, mais vas-y, bouge. On voit pas trop. Ah, y'a un mec, je croyais que c'était toi. Mais dis-moi, t'as pris de la banque quand même. J'ai pris du poil de la bête. T'as pris du poil de la bête, bonjour. Ok, pour l'instant ça va. Je vous avoue que, oh là, par contre la boue c'est un peu chiant. Oh, y'a un corps, oh, c'est dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. Y'a un mec qui va surgir de je ne sais pas où. Sûrement de là, oh là 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 là. Bah tu sais quoi, eh, laisse passer madame. Bah il y a son groupe. Il y a son groupe devant en fait. Ils sont loin là. C'est pour ça, ouais ils sont un peu loin. Oh putain, on voit rien du tout. Oh, c'est les mêmes bruits qu'à son sas. Ah mais il y a un mec devant. Ah mais ils sont là. Ça. Ah oui. Ah il y a un mec en bikini. Ok, pour l'instant je vous avoue on voit pas grand chose. Ouais c'est vrai que... elles puent leur fumée. Elles sont pas là, barbe à papa. Ah, il y a monsieur juste ici. Ok. Oh, un petit toboggan. C'est pas mal du tout ça. Bonjour, bonjour. Pas très contente apparemment. Et je dis bon. Ça met folie. Ce doux bruit qui caresse mes oreilles. Ah, oula. C'est bon, ne casse pas les lampes. Oh, c'est stylé les lentilles. Allez, let's go, monsieur la tronçonneuse. Vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil, mais j'ai envie de passer. C'est très exigu comme endroit. Hein. Il est juste derrière moi. Je sens ça. Ça pue sa mère. Le camp. Bon, il est juste derrière apparemment. Ça me blague. Qu'est-ce que ça sent l'essence? Pour l'instant c'est calme. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est mignon. C'est mignon. On a vraiment l'impression d'être dans un camping en fait abandonné. Voilà. Oh, regarde.
Ah non, il marche plus. Non. Il marche plus. Non, il fait fort. Ah. Par contre, ça, c'est là, il lâche des chiens. Il y avait un mec là-dedans, vous l'avez pas vu? Non. J'ai pas vu, je vous avoue. La cam, la caméra. On est sur un peu de peau. Je vais jamais avoir assez d'espace pour faire des sacs de dos. Prends au téléphone. Ah non. Ah, il fait chaud. Ah, il est chaud. Si vous voulez faire pipi, c'est le moment. Oh putain. Ça déborde. Ça déborde. Bonjour, bonjour, merci. Oula, ça glisse. Allez, passe de la bête. Elle tourne et tout. Ouais. C'est fou. Il y a un corps. Ah. Ok, c'est terminé. Bon. On ressort du coup de Camping Wars. Ah, c'est pas encore terminé. Je vous avoue, il y a une petite surprise à la fin. Elle est juste ici. Voilà, on ressort du coup de Camping Wars. C'est une maison hantée, semi dans le noir, semi à l'extérieur. C'est pas mal. En vrai, pour une première maison, c'est pas mal du tout. Et le seul problème, c'est qu'il y avait pas mal de personnes devant nous. Je vous avoue qu'on était un gros groupe. Mais en vrai, il y a pas mal d'effets de surprise. C'est drôle. Il y a de la tronceau. Il y a un peu d'immersion. Il y a un peu d'acteurs cachés. Il y a de l'immersion. Ouais, c'est pas mal. Même les toilettes qu'on voit, bah, en mode ouais. En toilettes publiques de camping et tout. Ça manque quand même. De scarboutons. Ouais. Ça manque de scarbouton ou d'acteurs dans les caravanes par exemple. Peut-être d'acteurs qui viendraient nous surprendre. Ouais. On a dû voir trois acteurs dans la maison. Ouais. Mais en vrai, pour commencer, c'est pas mal. Là, du coup, on va enchaîner avec sa petite sœur justement, Mortal Mind, sur le thème de la ville. Quoi. Du coup, là, on fait sa petite sœur juste à côté, Mortal Mind. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde, honnêtement. Je vous avoue que pour Camping Course, il y a du monde. Mais pour le Mortal Mind, j'ai pas vu beaucoup de personnes. Bon, il y a des gens juste derrière nous. Mais sinon, globalement, ça va. Les débits sont assez corrects. On avance bien, on n'attend pas beaucoup devant. Et le système de créneaux est assez bien pensé, finalement. Il n'y a pas énormément de gens sur nos créneaux horaires. Merci. Merci. Allez, c'est parti. C'est parti pour le Mortal Mind. Nous sommes dans une mine abandonnée finalement, avec des mineurs. Je parle pas d'enfants. Je parle juste de mineurs. Bonjour, bonjour. Le feu, attends-moi. Oula. Il faut suivre ce monsieur là-bas. Bah, tu vas là. Aïe. Bonjour. Faut que j'arrête de dire bonjour à chaque intervention, sinon ça va pas le faire. Oula. Là, il veut pas que j'avance. Oula, oula, oula. Attends. J'ai juste peur pour la cam, en fait. Oula. Il me fait peur avec son truc, j'ai pas envie qu'il donne un coup sur la cam. C'est où monsieur? Donnez pas de coup dans ma caméra s'il vous plaît. Ah parfait. Merci. Là c'est un peu exigu comme endroit. Oh, oh, il est encore là. Il est encore là. Oh. Merci. La mince. Il va nous attraper. Ah bah non. Pas
Pas du tout. Il y a des petits partout là. Oula, ah non, pas ça. Ah putain. J'aime pas du tout les strobos. Aïe, 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 aïe. Je vois pas les strobos. Mais bordel. Mon oreille! Je suis pas non, tu sais! Il y a une mine! Il y a un mec! Non, c'est pas vrai! Mais si, il y avait un chariot! Sur la mare! Où ça? Là! Il est toujours derrière! Mais on le voit pas! Il est où? Cette fois-ci, je m'en doutais! Mais je le voyais pas! Ah. Tout droit? Ouais! Il y a un truc derrière? Il y a un gros souffleur. C'est pas mal. Hey, l'idée du souffleur, c'est pas mal. C'est vrai. Par contre, c'est très court. Je sais pas si c'est nous, mais c'était assez court. C'était plus court que camping. Mais du coup, par rapport à camping qu'on a fait tout à l'heure, on retrouvait plus d'acteurs. Et plus de skier bouton, enfin comme le strobotop, tu sais, les jeux de lumière avec la sonnerie aussi dans les mines où en mode il y a une alerte, tout ça. Donc voilà. En vrai, je trouve qu'on les a faites dans le bon sens. Ouais, en vrai, je trouve que l'idée est cool d'être dans une. On est vraiment dans une mine en fait. Ouais. Il y a aucun moment où je me suis dit, ok, on est dans le parc Belloire, là on voit un petit peu. Non, en fait, on est vraiment dans une mine, on s'enfonce. Et ça sent, les décors sont cool, c'est vraiment. Il y avait des endroits très exigus, c'est vraiment très petit. Enfin, en vrai, c'est cool, c'est pas mal du tout. Pour une maison à 5€, je crois, c'est pas la plus terrifiante, mais c'est peut-être la plus immersive, je sais pas. Pour l'instant, de celles qu'on a fait, c'est la plus immersive. Par contre, le truc vraiment chiant avec les horaires, c'est qu'il faut courir partout. Là, on était à l'autre bout du parc, et il faut qu'on aille à Fantasyloom. On a genre 7 minutes pour y aller. Il faut un peu se dépêcher, je vous avoue. Il faut courir. On va faire les 10 000 pas dans la journée, là, aujourd'hui, je pense. Dans la soirée. Dans la soirée, dans oui, parce que... 3 heures. En fait, on vous dit pas, on arrive à 17h15, et le parc ferme à 21h. Voilà, on était un petit peu des flemmards, parce qu'on est vraiment venu que pour les maisons hantées, je vous avoue. Après, bien évidemment, on vous emmènera dans les attractions. Mais là, cette vidéo, elle est dédiée uniquement aux maisons hantées. Allez, c'est parti pour Fantasyloom. On l'avait déjà fait l'année dernière. Et elle est sponsor par Fanta. Voilà, donc si vous aimez le Fanta... L'abricot, c'est pas moi derrière. Allez, c'est parti. Hop, merci beaucoup. Clo-Clo, t'es où? Clo-Clo, attends-moi. En fait, j'ai peur de donner un coup dans la GoPro. Moi, je sais qu'il y a des stroboscopes et j'aime pas les stroboscopes. Bonjour. Y a-t-il... Oh là, oh la GoPro. Ah, c'est l'abricot. Regarde. C'est l'abricot. Ah, voilà. Ah non, pas la caméra. Ah pas la caméra. Ah mais ça coule. Elle est juste derrière moi. Ah ouais, même moi. Mon eyeliner. C'est la salle des stroboscopes. Allez, plus vite. Oula. On doit aller plus vite apparemment, donc on va aller plus vite, madame. Il n'y a pas de souci pour ça. Oh là, il fait froid ici. Je veux du Fanta. Du Fanta. Ah, oh là. En argent à gros. Ah ouais, il y,
Y'a des gens devant. Ah oui. La picole va trop parfait. Vite. La picole va trop vite. Ah mais c'est terrifiant. Y'a des mains qui me touchent un peu le boule. Ok. Ah putain. Y'a un monsieur qui ne veut. Qui ne veut pas forcément du jeu. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai de l'eau partout. Voilà, j'ai touché mon pied sans faire. The dead. Ok. Bah moi j'ai touché sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Moi j'ai senti son haleine. Aïe. Ah ouais, on loupe tout du coup. Avance, avance. Oh putain, je suis le seul derrière, il n'y a absolument personne derrière moi, il y a un trou là. Il y a quelqu'un à gauche je crois. Ah bah oui, je l'ai vu, je l'ai même entendu, pour être très précis. Elle est rentrée dans la prison. Elle m'a crié dans l'oreille gauche. Ok, le mec est parti à Bagdad. Bon. Ils ont retiré la scène avec les stroboscopes. Ouais. C'est normal, là, c'est vrai qu'il y avait une scène avec des strobos. Et des strobos. C'est vrai qu'il y avait une scène avec des strobos, malheureusement. Là. Ah, il y a le boucher. Ah, il est juste ici. Fantasy Loom, c'était pas mal. Juste, on a rejoint un groupe devant parce qu'on avançait trop vite. Donc, on a eu quelques effets de surprise en moins, bien évidemment, comme la tronçonneuse, on l'a pas eu. On n'a pas eu non plus la femme qui crie, enfin qui vient à gauche. En fait, ouais, les derniers, les 3-4 derniers, on les a pas eu malheureusement. Bon, je vous présente du coup le Nebulaz qui s'appelle Ampi ici. C'est le même modèle qu'au festival de Toussatis. Donc voilà, c'est un Nebulaz, hein, ni plus ni moins. Par contre, honnêtement, je trouve tellement moins bien incorporé dans la zone que chez Girofolix. C'est un truc de fou. Il est beau, en vrai, il est beau, j'aime bien les couleurs. Mais derrière le fond, les arbres et tout, j'espère qu'ils vont faire un truc derrière. Hein, j'ose espérer. Bon, la zone de la coccinelle, vous savez, un petit peu western et tout, a totalement disparu. Il n'y a plus aucune zone. Comme vous pouvez le voir, je vous mets des petits plans juste ici. La nouveauté 2024 avance à grands pas. Franchement, ça a l'air d'être très 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 cool. On voit pas trop, hein. On voit juste le toboggan, on voit quelques trucs, mais on n'en voit pas plus malheureusement. J'aimerais bien en voir davantage. Mais on attendra, on va être patient pour ouverture en 2024 de nouvelles attractions. Mais sachez que du coup, ils ont tout rasé. Franchement, c'est un truc de fou, ils ont tout rasé. Il n'y a que les bûches qu'on voit à l'entrée, c'est tout. Le reste, ni vu ni connu, c'est comme s'il n'y avait rien eu. C'est assez propre. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent nous concocter. Ok, nous rentrons du coup dans Mexican Massacre. Alors, autant vous dire que les acteurs apparemment sont au courant de notre venue. Touche déjà. Il m'a pris le mollet. Autant vous dire que les acteurs sont déjà au courant de notre venue. Donc ils vont envoyer la pâtée, comme on dit. Et ça commence. Aïe, oh putain, je suis sûr. Je me suis déjà pris le pied dans un truc. Bonjour, bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici? Oh putain. Allez, ça commence. Ça commence, je me chie déjà dessus. Je suis désolé pour les insultes qui vont arriver. Il y en aura. Oui, je l'ai vu. Je suis désolé pour les insultes qui vont arriver. Mais il y en aura. Je vous le dis, il y en aura. Je suis pas trop rassuré. Bonjour. Qui est en face? Je ne sais pas. Il arrive. Oula. Eh, en vrai, pas mal. Oui, il est pas où là? Bah, à droite. Oh oui, putain. Ça, c'est pas mal du tout, c'est là. On vous suit, monsieur, on vous suit.
pas. Faut passer derrière. Hein? Merci, merci. Ils sont sympas. Okay. Tu passes jamais. Ah mais attendez les gars, mon boule il passe pas du tout. Ok, c'est bon. Il faut que je sois sur le côté pour passer. Attention. Bonjour, bonjour. Par là. Pas de soucis. Non, là. Oh, il y a une vache. J'ai peur de la vache. J'ai une vache. Je suis pas trop rassuré dans ce garage. Il y a pas mal de décors en vrai de vrai. Bonjour. Bonjour. Ça c'est une vache qui crache du fond de la fumée. Quoi? Il regarde là. Tu sais qui nous regarde, Mathieu? Oui, parce que vous savez pas, mais Mathieu nous regarde depuis ses caméras. Il est juste ici. Il doit bien se marrer. Il faut avancer. Je sais pas, non, faut attendre. Je vais demander d'attendre gentiment. Salut! Allez! Au revoir, l'abrico! Faut que je reste là? Pardon. Je sens que je vais être tout seul, j'aime pas du tout ça. Je rentre. Bonjour! Nous allons assister à un spectacle. Ok, je suis absolument tout seul. Je me mets loin. Que se passe-t-il? Voilà. Bonjour. Oui. Non, quand même pas. Vous n'allez pas l'égorger. Je pense que ça. Voilà. On a reçu de l'eau. Vous l'avez peut-être pas vu, il a égorgé le monsieur juste en face de moi et j'ai reçu plein d'eau. Mais plein d'eau. Là, d'ailleurs, il y a sa petite tête juste ici. Les gens juste là. Oula. Ok, bah. Si gentiment dit. Attention. Si gentiment dit. Est-ce que je peux peut-être retrouver ma collègue? Ok. Alors, ma collègue est juste. Elle est où? Il est en train de me presser. Et ma collègue, je peux attendre ici? Ok. Je dois avancer? Qu'est-ce que je dois faire? Clo-clo! Qu'est-ce que je dois faire? Ok, bah j'avance. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Bonjour! Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois avancer? Monsieur, bonjour! Qu'est-ce que je dois faire? Bon, bah, allez, j'avance. Bonjour, j'ai perdu ma collègue. Vous l'avez pas vu par hasard? Non, il l'a pas vu. Pas de problème. Clo-clo! Ok. Clo-clo! 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 Je t'attends! Je suis tétanisé! Il m'a mis tout seul! Celui-là! J'étais pas trop rassuré tout seul, je vous avoue. Tu m'attendais? Oui, je t'attendais. Totalement, comme une merde. Et là, je vois absolument rien. Est-ce que tu t'es pris les pchits? Ouais, je me suis pris les pchits. Tu te les as pris? Moi, j'étais pile. Ouais, je te jure, je me suis pris les pchits. J'étais pile entre tes stones. Alors, il y a quelqu'un au fond, je le vois. Non. Si, je le vois. Il est juste là. Pas du tout, c'est un tuyau. Un tuyau d'arrosage. Et j'aime pas. Hein. J'aime pas. Où est-ce qu'il faut aller? Bonjour! Et on voit rien. Oh, il y a plein de portes. Alors, choisissez la bonne porte dans les commentaires. Oula! Oh, t'as sursauté, j'ai vu. Premier sursaut.
Choisissez la bonne porte dans les commentaires, les amis. Ah ouais? Et c'est terminé. C'est terminé. Non, c'est juste ici. C'est là? C'est terminé. Get out. Ah, c'est là? Merci beaucoup. Merci. Ah. Merci. Ok. Bon. J'ai moins chaud que l'année dernière. Mais en même temps, t'as avancé, tu m'as attendu. C'est vrai que je t'ai attendu, mais j'étais un moment tout seul. Cool. J'étais un moment tout seul. Dans la salle tout seul, ça dans la non, dans la salle, ça va. Moi, mais c'est après. J'étais mort de rire, je me disais le pire. Ah ouais? En fait, je gueulais clo-clo. Mais. Clo-clo, t'es où? J'étais vraiment tout seul. Bonne chance. Hop, merci. Merci. Allez, c'est parti, on rentre dans. Oh, déjà. Nous rentrons dans les funérariums et comme vous pouvez le voir juste ici, bon déjà il y a quelqu'un. Comment? Au revoir. Merci. Faut appuyer sur le bouton ou... Non, non. Déjà, quelle maison hantée? Quelle maison hantée commence par un ascenseur? Oula. Monsieur. Bonjour. Vous avez mal. J'ai envie de rigoler du coup. J'ai peur pour ma caméra. Ah non. Ah. C'est humiliant. C'est vraiment humiliant. Je me suis pris une faciale. Parfait. Ah, tu vas rigoler. Oh la liner. C'est parfait. Oh mon dieu, alors on est toujours au zéro. Hein. Nous sommes toujours au zéro, on n'a pas voulu. Faudrait faire le sol aussi. Ah, ah, on monte, c'est parti. J'ai peur qu'il va me remettre un truc. J'adore son rire. Il va me remettre un. Bah, bon courage. Et bonne journée de taf. Comment elle fonctionne cette maison, en fait vous prenez une petite lanterne et elle va s'éclairer en fonction des pièces. C'est génial, c'est Chloé qui la prend. Merci. Allez, let's go. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Nous sommes dans Funérarium. Merci. Il y a des petites références un peu partout. Alors, faut aller où là? C'est là. Ici? Ok, parfait. Putain, j'ai déjà mal au bras, elle est lourde cette lampe! Elle est lourde là? Oh là! Oh putain, je me suis. J'ai eu un petit peu peur, je vous avoue. Il y a quelqu'un à droite. Ça tape, ça tape. Ça tape, ça tape aussi. Ça tape juste ici. Comment le mec il fait pour être partout? Je sais pas, il nous suit. Oh, il fait très chaud ici. Il y a quelqu'un derrière moi. Bonjour! Bah elle va plus ma lampe! Bah elle marche plus! Il y a quelqu'un derrière moi. Je sais pas si on voit bien la caméra. Déjà ça? Ça s'y était, je pense. Il faut avancer, monsieur, bonjour! Ah! Monsieur est enfermé apparemment. Monsieur va nous rendre visite. Oula! Ah. Là vous pouvez pas le ressentir à la caméra mais il fait très chaud. J'ai très chaud. Je sais pas comment. Oula. Ouais, j'ai encore sursauté moi. Ah putain. Et là la lampe elle va être bleue. Merci. Voilà. Et là il fait très froid. Là... Attends. Alors apparemment on va passer sur le bloc opératoire. Ah bah c'est mon prochain. Le petit bloc opératoire. C'est mon prochain stage. Ah ouais c'est vrai c'est ton prochain. Ah je vois quelqu'un au fond. Non, non pas du tout. Bonjour. Bonjour. Non, je suis sûr que c'est vraiment quelqu'un. Oui il y a quelqu'un au fond. C'est celui-là. Oh, je me chie dessus. Oh. Il veut le. Oula. Ça a pas l'air très bon.
Est-ce que tu en veux? Un petit morceau. Alors je crois qu'il veut me manger. Je crois que le monsieur derrière veut me manger. Ah bah, je te laisse. Je ne suis pas comestible. Je ne suis absolument pas comestible. C'est tellement flippant. Par contre, les décors sont vraiment insane. Il y a zéro van là-dessus. Wow, il n'y a pas l'air très... C'est super drôle. Oh, il y a un truc par derrière nous. Il y a une nonne. Arrête, arrête de me pousser. Il y a une nonne juste ici. Bonjour, madame. Vous êtes la nonne? Pardon, oh, c'était pas du tout une poupée. C'était pas du tout une poupée. Ça s'y était pas. 100% s'y était pas. Merci. Mais c'est tellement stylé, j'adore. Je sais pas si on voit bien. Je suis poursuivi par une nonne juste derrière moi. Mais tout va bien. Oh. C'est tellement. Regarde Mathieu, il nous regarde ici. Et donner des coups. J'aime trop ça. Oh oui. Attends, y a la note. Madame est juste derrière. Regarde. Hop. Hop. Attends, là aussi, là. Hop. Gentil. Gentil, méchant. Gentil, méchant. Gentil, méchant. Ok, je crois que nous arrivons dans le. Ouais, dans la fameuse scène. C'est des cochons grillés. Ah mais non, pas du tout. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Oh, fais gaffe, petit. Ouais. Non mais c'est juste qu'il m'a touché ou je sais pas quoi. Il a envoyé un cadavre apparemment dans le mur. Ok, bonjour. Et il n'y a personne. Oh putain. Je sens que tu me pousses, je sens que t'as peur. Et c'est fini. C'est la fin. Il pleut très fort. Et c'est la fin. Ouh, le screamer que j'ai eu. Oh la vache. J'ai eu un petit screamer. Oh putain, j'ai fait caca dans ma culotte au dernier screamer là. Faut pas faire ça quand même. Monsieur, enfin. Il est malade ce type. J'ai eu trop peur. Ok, nous sommes de retour après Mexican Massacre et après le funérarium. Alors, on a fait un petit débrief après chaque maison. Mais là, on va faire un gros débrief sur funérarium et sur les autres maisons en général. Franchement, l'immersion est folle dans ces maisons. C'est un truc de fou. Je pense qu'il faut vraiment venir à Belleoire et faire au moins funérarium et Mexican Massacre pour se rendre compte à quel point on a de la chance d'avoir ça en Europe. Parce que vraiment, c'est trop cool. Funérarium, le concept même de la maison hantée, c'est de prendre une petite lampe. Déjà, vous arrivez dans un ascenseur. Quelle maison hantée fait ça? Il n'y en a aucune. Tu arrives dans un ascenseur, il y a un mec un peu chelou à l'intérieur, tu prends une lampe torche. Il ne pas. Bah, on l'a vu. Oui. Et tu prends une petite lampe torche, la lampe torche qui diffère en fonction des différentes scènes. Il y a de l'odeur, il y a un peu d'odeur, il y a un peu de chaleur. Il y a de la chaleur, des fois il fait froid, il y a du vent, il y a des scarboutons, il y a tout. Franchement, c'est trop bien. Franchement, je pense que le mot maison hantée, pour moi, ça devrait se résumer à ça. C'est plein de trucs, plein d'expériences à la fois. Il y a des endroits très exigus, il y a des endroits où, par exemple, on doit ramper dans une sorte de trappe, il y a des endroits où c'est très... Exigu, quoi. Enfin, ouais, des trucs exigus, c'est trop bien, franchement, c'est trop cool. Mexican Massacre, je suis un peu moins fan, même si elle reste vraiment très bien. Les acteurs sont au taquet, ils sont vraiment très bien cachés, un peu à la manière des catacombes au parc Astérix. Vous savez, derrière des petites trappes, en fait, où on croit que c'est juste un cadre, et ils le baissent, il y a un scare button, il y a un effet de lumière, enfin, c'est génial. Il faut vraiment le faire pour moi. Même si vous avez vu la vidéo, vous avez vu un peu nos réactions, je ne vous ai pas tout mis volontairement, mais je pense vraiment qu'il faut faire ces deux maisons hantées, qui étaient déjà un banger l'année dernière pour nous, et cette année, ça reste un banger. C'est toujours très cool de faire, et honnêtement, c'est génial. Il commence à pleuvoir, c'est génial.
Bah moi j'ai adoré ces deux maisons hantées. Je trouve qu'elles se... elles sont pas du tout sur le même thème. Elles sont vraiment opposées. Pour moi, Bellward, niveau horreur Halloween, bah ils sont vraiment vraiment bien placés. Même les défunts. Allez à Bellward pour Halloween. On parle pas des autres maisons hantées, mais elles sont super aussi. Moi j'ai adoré truc mine et camping. Ouais, en vrai c'est vrai que c'était pas mal. Mais ces deux là, franchement je pense que le détour, enfin ça vaut largement le détour pour ces deux maisons hantées. Franchement, moi, comme je peux vous conseiller, c'est de faire Mortal Mine, c'est de faire Freaky Forest, c'est de faire le camping. Et après, réservez-vous les deux dernières maisons hantées, Funerarium et Mexican Massacre. Parce que honnêtement, là, vous êtes vraiment sur du 5 sur 5, c'est vraiment terrifiant. Après, je sais que moi, personnellement, j'ai très peur dans les maisons hantées, Clo-Clo un peu moins. Mais ça reste quand même très bien. Pour quelqu'un qui n'a pas peur, ça reste très bien pour l'immersion. Et également pour le prix, on est sur 8€ les deux dernières. Pour moi, ça les vaut largement. 8€, c'est cher, mais si vous les avez... C'est 8€, mais si vous les avez... Trop. 8€, mais en vrai, mettez-les, parce que pour ces deux maisons hantées, c'est génial. C'est trop cool. Ah ouais, non, mais je vais laisser, bien évidemment. Mais en vrai, vraiment banger, ces deux maisons-là. En plus, on a été très bien reçus, que ce soit par l'équipe management avec Mathieu, qui est vraiment un amour. Autant les acteurs étaient vraiment au taquet, ils étaient très bien dans leur rôle, ils appuyaient bien sur l'escar button, ils nous surprenaient. Moi, je vous avais vu là dans Funerarium, le dernier mec, là, franchement, c'était caca culotte. Ok, on vient de voir du coup un spectacle qui clôt cette journée à Bellward Park. Le spectacle était franchement très cool. On avait une sorte de pré-show avec des acteurs qui avaient des ballons, qui se baladaient un peu sur la place, puis après qui se sont regroupés au milieu sur la scène principale avec des petites chorées, des petits saltos, etc. Et pour arriver, alors là on a eu un happening de fou de zinzin. Putain, j'ai la lumière sur moi, c'est incroyable. On a eu un happening de zinzin, le lion qui fait Ghostbuster. Les gars, je suis désolé, je peux pas vous mettre la musique originale, je suis désolé, mais c'était hilarant, c'était trop bien. On mettra un truc qui ressemble. Le pauvre lion qui ne voyait rien, d'accord. Le lion, déjà, il a une combi. C'est un lion, c'est une mascotte. Mais il a un drap. Honnêtement, c'était hilarant. C'était trop drôle. C'est une bonne idée. En vrai, c'est une très bonne idée. Et surtout, le spectacle final, finir par un petit feu d'artifice comme ça, c'est une très bonne idée. Le feu d'artifice peut durer très longtemps. Il dure excessivement longtemps. Je vous ai mis des petits condensés, bien évidemment, dans la vidéo. Je vous ai pas mis tout le truc. Mais franchement, top. Vraiment très bonne idée de la part de Bellward Park d'avoir fait ça, d'avoir mis un feu d'artifice en complément d'une journée. Alors, je sais pas si c'est indiqué par contre dans le parc, c'est un feu d'artifice. Honnêtement, j'ai pas vu. C'est du coup un OP de Bellward, enfin c'est Mathieu du coup, big up à Mathieu, qui nous a annoncé qu'il y avait un feu d'artifice, mais sinon honnêtement je pense qu'on serait parti avant, et malheureusement on aurait raté le feu d'artifice. Franchement très cool. Si je pouvais mettre un petit point négatif, c'est les enceintes. Oh mon dieu, les basses, il y a trop d'aigus. Elles envoient quoi. Ouais, mais ça envoie beaucoup trop, des fois c'est trop aigu, enfin c'est un peu compliqué. Mais sinon franchement le feu d'artifice en lui-même était très bien dosé, des bonnes pauses, on se dit ah non en fait c'est fini, on aimerait avoir un peu plus, en fait ils nous en donnent encore plus. Et, franchement très bien, très très cool. Et toi? Bah t'as tout dit, donc je vais pas répéter pour faire répétitif. Mais oui, sinon pour clôturer cette nocturne, cette journée de parc d'attractions, je pense que c'est une super idée et que voilà quoi, c'est cool, c'est super. Non, c'était très très cool, très bonne idée. Franchement très très bonne idée d'avoir mis un feu d'artifice. Sachez que du coup le parc ferme à 21h en nocturne, il est 21h10. Donc voilà, ça dure une bonne dizaine de minutes, hein, le feu d'artifice. C'est pas mal pour un feu d'artifice. Si d'ailleurs je peux ajouter un point d'amélioration au parc, c'est de mettre par exemple un petit jingle, ou enfin ne pas couper directement l'audio à la fin du feu d'artifice, mettre un petit jingle en mode merci d'avoir été à Bellward, on espère que vous avez passé une bonne journée, ou un truc comme ça, tu vois. Même pas forcément, juste une musique. Tu sais, un peu comme dans les fins de concert, à la fin, quand ta concert se termine, tu vois, il y a une musique de fin. Bah, juste là, une musique de fin où les gens ils partent sur cette musique. Ouais, ça coupait un peu trop sec, mais non, même un petit jingle, tu vois, par exemple à Walibi, ils disent. Merci d'avoir été présent, machin, ou au parc Astérix, tu vois. Un petit truc. Tu as vu ça au Walibi? Bah, Walibi, à la fin de la journée, ils disent Walibi Belgium va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une bonne journée. Je n'ai jamais entendu. Bah, je trouve que c'est une bonne idée à mettre. Voilà.